Bienvenue dans cette nouvelle présentation de compétences. Aujourd'hui, on s'attaque à Renaissance. Renaissance est une compétence débloquée au niveau 35 par Jill Valentine. Vous avez survécu à des situations quasi impossibles et vous recommencerez. Après vous être décroché vous-même ou avoir été décroché par un autre survivant, vous obtenez instantanément 40, 45, 50% à votre progression de soins. Pour jouer au tour de Renaissance, je vous conseille les compétences suivantes. Effondrement, meneur et la compétence à épuisement de votre choix. Dans mon cas, ça sera atterrissage équilibré. C'est un excellent build qui vous permettra de réduire le temps perdu une fois décroché. Avec ce build, votre allié vous décrochera plus rapidement et vous aurez à peine le temps de dire Dead by Daylight que vous serez soigné. En plus de cela, le build apporte quelques bonus supplémentaires pour vos alliés. Cependant, ce même build n'apporte pas beaucoup d'effets en dehors des décrochages, ce qui le rend presque inutile si vous ne vous faites jamais accrocher. Renaissance est une excellente compétence. Sur le papier, la compétence peut sembler être assez faible, quand on la compare par exemple avec Renouvellement. Cependant, le soin est vraiment beaucoup plus rapide avec Renaissance. Si on parle un peu chiffres, un soin basique prend 16 secondes. Avec Renaissance, il ne prendra plus que 8 secondes lorsque vous êtes décroché. Et je ne prends même pas en compte toutes les autres compétences qui peuvent réduire ce chiffre. Néanmoins, la compétence est facilement contrable avec l'effet d'hémorragie. En me basant sur mon avis personnel et sur l'avis général, je donnerai à Renaissance une note de 3 sur 5. A bientôt pour de nouvelles présentations.